bienvenue à tous. Akira Toriyama qui s'est occupé des character designers. Donc il a designé tout ce qui est personnage. Akira Toriyama, tout le monde le connaît. J'ai vraiment hâte de le faire. Et en plus de cela, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Alors là, vous allez me dire, mais B-Boy, c'est des cinématiques, t'enflammes pas trop. Vous allez voir, quand on sera in-game, vous allez voir que c'est du très, 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 très lourd. Bienvenue sur Dragon Quest Son. Cette fois-ci, je vais pas me priver. Je vais y jouer, ce n'est pas un let's play, on va pas faire tout le jeu en entier. Mais on va le découvrir ensemble. Et je vais m'appeler comment? Je vais m'appeler juste Quentin, ça passe ou pas? Ouais, Q-U-N-T-I-N, très bien. On est parti, les gars, je rappelle que nous sommes en live. Ah oui, c'est une rediffusion live parce que la vidéo sera prévue aussi sur ma chaîne principale. Et ça discute dans le live, ça discute. Vous êtes 1300, il est minuit, c'est incroyable, vous êtes beau. Sauf un peut-être, hein, il se cache au fond, il est moins beau que les autres, mais hey, ici on aime tout le monde, ok? C'est parti, début de Dragon Quest. Oh, le jeu est beau, hein. Enfin, les cinématiques, genre. Oh, il a fallu prendre sa part. Hein. Mais battez-vous pas! C'est lui qui a amené l'orage. On est mort, hein. Oh mon dieu, de la pluie, il n'a jamais plu depuis 178 ans. Oh là, les voix anglaises. Oh. Il porte la marque, ok? Oh, il a une petite mèche. Il a une petite mèche brossée. Ok, apparemment, un enfant va apporter... Oh là, oh putain. Transition, les gars. Ah oui. Oh, les musiques aussi. J'adore les musiques de Dragon Quest, les gars. Véritable plaisir. Ah. Les gars, vous avez oublié la tête à la maison, hein. C'est terminé, hein. On n'en parle plus. Ok, tout le monde veut ce gamin. Oh. Boum, dans ta gueule. Oh, la musique. Je suis obligé de mettre plus fort. Ok, l'enfant a grandi, je suppose. Et c'est devenu une belle bête. Oh, on dirait Trunks, putain. Ah oui, c'est du Akira à 100%, les gars. Thanks so much, you're a lifesaver. Merci beaucoup, tu me sauves la mise. Trust me to lose my perdre mon foulard juste avant la cérémonie, c'est tout moi, ça. So it's finally here, the big... Le grand jour est enfin arrivé. Je n'arrive pas à croire qu'on va grimper tout là-haut. Les gars, ça, c'est le graphisme du jeu. C'est quand même magnifique en vrai, genre... On dirait que Topaz veut ouvrir la voie. Allez, vaut mieux ne pas le faire attendre. Oh, j'ai tellement envie de jouer au jeu, les gars. Oh là 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 là. C'est un open world, hein. Vous allez voir que la map monde est immense. Je sais pas si vous la verrez dans cette vidéo. Allez, on va enfin monter là-haut, parce que monter en bas, c'est compliqué. Le jeu est sur Steam. Profitez-en, ce jeu, les gars, c'est une pépite, vraiment. Alors, celui-là en particulier, je ne sais pas, mais tous les Dragon Quest, rares sont les Dragon Quest qui déçoivent. Et voilà, nos premiers ennemis. Waouh, mon dieu, des gouttes d'eau! Allez, dans chaque Dragon Quest, c'est traditionnel, c'est les slimes, les premiers ennemis. Alors, ah, on peut se balader, attaquer, et là je choisis qui j'attaque. Ok, on peut se balader. Alors ça c'est tout nouveau, dans Dragon Quest avant on pouvait pas. Ok, ça c'est ce qu'il y avait écrit, qu'elle nous avait dit. Il y a peut-être un truc... Eh bah voilà, toujours fouiller derrière les gars. Quentin trouve un couvercle de tonneau. Ah, couvercle de tonneau, ici on peut toujours en faire quelque chose. Hein. Hop, allez ça dégage. Hein. Ah, encore des monstres. Je crois qu'ils ne t'ont pas encore opéré. Tu devrais essayer de t'approcher discrètement pour les prendre par surprise. Ok, appuyez sur quoi alors? Voilà, j'ai l'avantage, il a déjà un dégât en moins. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Allez, go. Oh, il y a un nouveau monstre. Hop, j'ai mis sa part à ce bâtard. Ok, des piccolos. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir... Quoi? Allez, je vais me faire embrouiller. Qu'est-ce que c'était que ça? Au secours, à l'aide! Ça fait trois fois que je te sauve la vie, hein. Ah bah. Oh, le boss! Oh,
Oh, le boss de ouf! J'ai un tatouage qui fait de la lumière, hein. Tu devrais t'inquiéter quand même. Hein. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as sauvé encore une fois. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ouais, bah, ça fait 3 fois là, hein. C'est bien chiant. Hein. Bien, on devrait vraiment terminer cette cérémonie. Suffit de prier, il fait beau. Eh, on redescend, on se casse. Yo les newbies! Ça, oh, le chien, c'est le boss. T'étais le boss, Topaz. Peggy 18. Je dois avouer que nous nous sommes tous fait du souci quand nous avons vu la foudre frapper. À droite, elle voit rien. Ah, c'est bon, elle vient d'ouvrir les yeux. Oh, elle est mignonne à gauche, là. Peggy. Oh, il a des sourcils, putain. Un boomerang. Ne fais pas attendre ta mère, Quentin. Eh, hey, tu vas me parler autrement. On avait dit pas les mères. Bien, j'ai suffisamment repoussé ce moment. Nous avons à parler, toi et moi. Ah, tiens, ceci t'appartient. Oh, mec, c'est stylé. Pour être honnête, j'ai toujours gardé un secret. Quelque chose dont je n'ai jamais parlé à aucun habitant du village. Eh bien, il a dit que tu étais la réincarnation de l'éclairé. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée. Ok, je dois me rendre à Héliodore, capitale au nord. Regardez-lui comment il est tout stock. Thibaut shape. Damn les gens, c'est du beau. Ah, mon cheval. Allez, on se casse. Oh, il y a un petit slim, je peux l'arracher? Bam. Oh yes. Bam, bam. Alors les bolos, qu'est-ce que c'est? Ah, ben oui, les vampires volent. Eux, ils volent ta vie, je crois, ils te sucent. Peggy 18. Aïe. Aïe. Allez, ça dégage. Nous voici à la capitale. Oh là, on n'a pas bien fait de sortir de nuit, les gars. Tu dis que tu es venu voir le roi. Tu ferais mieux d'aller au château. Suis cette route, monte les escaliers, continue et tu y seras. Mais n'oublie pas qu'il ferme les portes dès que la nuit tombe. Le roi aussi a besoin de dormir, tu sais. Bon, on n'a peut-être pas bien fait de choisir la nuit à ce moment présent. Tout est fermé, hein. De nuit, on peut rien pénétrer, si je peux me permettre l'expression. Peggy. C'est quand même magnifique, hein. On est sur PS4 et il est sur PC aussi. Bonjour, tavernier! Merde, je suis dans les cuisines. C'est rien, les gars, je passe en haut. Allez, passez la nuit. Oh, Thibaut InShape! Regarde, on dirait qu'il pisse, Thibaut. Regarde! En bougeant son boule! Vas-y, Thibaut, et il va loin, hein! Quentin explique qu'il est l'éclairé et qu'il est venu s'entretenir avec le roi. Allez, du vent, on n'a pas le temps de perdre avec ce genre d'absurdité. Je suis à deux doigts de bouillir. Vraiment désolé pour ce malentendu, je t'en prie, la voie est libre. Sa Majesté attend ta visite. Alors, on fait moins les malins, hein! Prochaine fois, c'est face à face! C'est tête à tête, les gars! Nul besoin d'approcher davantage, bienvenue au château. Ok, j'ai pris un coup de pression instantané. C'est véritablement un honneur. Le fait que tu viennes jusqu'ici en arborant le joyau et en demandant à me parler en personne indique que tu n'ignores pas complètement ce qu'est ta véritable nature. Et je suppose également que tu possèdes la marque. Réjouissez-vous, mes chers sujets. Le jour est enfin arrivé. L'éclairé est une nouvelle fois parmi nous. Sucez-moi! Fermez-la. Dis-nous, arrives-tu D'où nous arrives-tu? Exactement. C'était compliqué, hein. Les gars, il est 2h du mat, quand même. Lui, il fait trop le bonhomme. Hein. Empare-toi de ce bâtard, ce héros du désastre, et jette-le dans une cellule au plus profond du donjon. Sache une chose, l'éclairé est la source même du mal et n'apportera que souffrance à notre royaume. Très sympa, en tout cas, l'accueil au château. Ça me fait plaisir d'avoir quitté Cobaltin, tiens. Regardez, lui c'est le boss de ouf. Pourquoi tu atterris dans cette cellule d'ailleurs? On ne se retrouve pas logé et nourri ici à l'œil sans avoir fait quelque chose d'assez grave. Une seconde. Tu as bien dit l'éclairé? Tu es en train de me dire que l'éclairé vient de débarquer dans la cellule voisine de la mienne? C'est dingue. Hop, c'est fini, on n'en parle plus. On ferait bien de déguerpir. Oh le boss! Il a creusé tout ça avec ses ongles. Les voilà, vous là! Par ici! Bon sang, il est temps de s'éclipser. Ok. Bien, éteins cette torche et suis-moi. Et je l'éteins comment, gros? Avec les doigts? Hop, je l'éteins, vous avez rien vu, hein? Petite mission d'infiltration à l'ancienne. Dans les JRPG, c'est toujours énorme. Oh là là! Ça, c'était la tenue de Dragon Quest 8. Non, mais c'est une blague! Ah, le pont qui supporte pas plus de 6 personnes. Ah! Oh, c'est un boss. Une seconde, il y a quelque chose là-bas. Oui, et c'est pas petit gros, hein. C'est pas qu'une araignée. Hein. Si on essaye de se battre, on est fichu. Ah, c'est bien ce que je pensais, on n'a pas le niveau pour le battre, clairement. Cassez-vous! Cassez-vous tous! Ce jeu est réellement magnifique. C'est du bon Japon RPG, du JRPG à l'ancienne. Par contre, les effets de lumière sont magnifiques. Genre, en vrai, sont mélangés à leur cell shading. Je trouve ça d'une propreté assez incroyable. On dirait que la chance nous a finalement abandonnés. Allons-y, je te fais confiance. Je fais confiance à l'éclairé. Je n'ai pas le choix de toute façon. Bougas! Au fait, je m'appelle Eric.
Il est stylé, hein. Eric, il est vraiment stylé. Il a un prénom qui va à son désavantage. Ça fait mal au bout d'un moment. Oh, bah c'était que l'intro! Bon, bah voilà, 2 heures pour aller juste à l'introduction. Allez! Oh, le jeu est tellement beau, genre en vrai, je suis toujours aussi choqué. Hop, ça on casse, ça on casse. Ça, je suis à deux doigts de tout brûler. En revanche, j'ai d'abord affaire à Heliodor. Tu m'accompagnes? N'oublie pas que je t'ai aidé à t'échapper. Allez, vas-y, on y va. On n'a pas le choix de toute façon. Si on met non, c'est la fin de l'aventure. Eric et Quentin unissent leurs forces. Car ensemble, ils vont dépasser ce que personne n'a jamais fait. Et tu vois ce point, eh ben on vous le mettra bien dans le cul. Pas le temps pour tout le monde. Wow! Super Saiyan activé. Des hypnobulbes. Ah ouais, mais eux, ils endorment, d'où Jésus. Ça va être très chiant. Oh, damn! Le coup critique. Lame de feu. Fend l'ennemi avec une épée incandescente. Je prends. Ça a l'air cool. J'ai vu l'âme, j'ai vu feu, ça me fait plaisir. Oh, il y a un petit fantôme. Ça va, mon frérot? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Il a disparu. Il y a une araignée, les gars. Elle a fait un fil de mon plafond à mon sol. La bosse. Il y a un an environ, Derek, mon complice et moi, on a réussi à acquérir l'un des biens les plus précieux de la famille, l'orbe rouge. Là-bas, il y a un tas d'ordures, le plus gros et le plus répugnant de tout Heliodor avec Derek. On a enterré l'orbe en plein milieu. Très bien. Fais le guet, tu veux? Ah, il est plus. D'accord, donc il y a quelqu'un qui a pensé, hein. Le rat, il a dû me doubler et se le garder pour lui. Je pars à sa recherche. Et tu vas m'aider. Ah d'accord. L'auberge dans laquelle on logeait par là. Oh, Fufu, ça va ou quoi, gros? Tu fais là, Fufu? Tout va bien, mon pote? Tu vas entendre quelque chose d'intéressant? C'est pas gratuit. 5 pièces d'or. T'es fou, toi. Bouge de là, gros. Fufu, t'es un escroc. Derek, hein. Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis belle lurette. Il n'a pas ouvert une boutique de luxe près du château? Ok, bah on retourne en ville, les gars. Oh, il louche. Oh, non, non. Oh non. Bah alors, victime. Alors, nous voici donc dans cette ville gigantesque. Regardez comme c'est beau. En vrai, c'est pas trop stylé. Quand j'étais gamin et que je jouais à des jeux en cel shading, surtout un qui m'avait traumatisé. Ouais, j'en profite pour raconter ma vie, les gars, parce qu'on apprécie. Je jouais à Dark Chronicles, qui était assez ouf, bah il dit ouais. Et des fois, je restais Keblo sur des paysages comme ça. Juste, j'étais là en mode, putain, c'est tellement beau, quoi. Et là, ça a pas changé, en fait. C'est toujours un kiff, genre vraiment. On est enfin dans le quartier chic de la ville. Voyons si on peut trouver la boutique de Derek pas loin du château. Oh lolo, ça s'engraisse là-dedans. Bien joué, les gars. Vous avez raison, profitez de la vie. Ah bah voilà! Il va mettre une main sur l'épaule, coup de pression. Hein. Entrez, entrez, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous verrez que nos marchandises sont le premier choix. Oh, il va tirer une gueule. Ça fait un moment, vieux camarade. Bam! Oh putain, il est chaud. Je me suis finalement résigné à me débarrasser de l'orbe. Je l'ai apporté au roi. Je lui ai dit que je l'avais trouvé par hasard et j'ai empoché la récompense. J'ai ensuite utilisé l'argent pour ouvrir cette boutique. Et j'ai utilisé tous mes bénéfices pour soudoyer les gardes, afin qu'ils te laissent t'enfuir. Maintenant que tu le dis, j'ai effectivement trouvé bizarre qu'ils ne fouillent jamais ma cellule pendant tout le temps où j'ai creusé le tunnel. Ouais, je sais pas. Hein. Exactement, je les ai payés pour qu'ils ferment les yeux, tu comprends? Ouais, j'y crois pas. Hein. Alors, où est-il? Le tertre, tu dis? Mais c'est un mot difficile à dire. On va devoir faire un détour en contournant les collines du sud. On devrait pouvoir atteindre le tertre. Mais l'enfer, ce mot! Non, rien. Cherchons à nouveau en ville. Regarde toutes ces torches. Ils cherchent vraiment à nous mettre la main dessus. Hein. Allez, direction Malgrove. Et ben voilà, une nouvelle aventure s'offre à nous. On va s'arrêter là, les gars. Vous n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous, les gars. Tchou tchou.